Bonjour à tous. Quelle joie de vous retrouver, chers frères et sœurs. Quelle joie. Salutations aussi à celles et ceux qui nous suivent en ligne, sur Internet. Et pour celles et ceux qui nous ont suivis, vous reconnaissez ce petit jingle qui nous a accompagnés durant toute cette période particulière de confinement. Et après plusieurs semaines, très longues semaines d'attente, d'incertitude, nous y sommes. Nous avons la grâce et nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir nous retrouver tous ensemble pour célébrer notre Dieu, de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Des cultes qui sont certes adaptés, et vous l'avez vu dans l'accueil avec les listings, mais aussi dans la disposition de la salle ou encore dans le respect des gestes barrières. Et ça me fait tout bizarre de vous voir avec vos grands sourires bleus et de toutes les couleurs, mais je sais que derrière il y a de grands sourires. Dans la Bible, il y a une série de 15 psaumes, du psaume 120 au psaume 134, appelés communément les psaumes des montées. C'était des cantiques que le peuple d'Israël, telles des prières qu'ils adressaient à Dieu, chantaient durant leur pèlerinage lorsqu'ils se rendaient au temple à Jérusalem pour célébrer les grandes fêtes religieuses. Et en lisant ces psaumes, nous y découvrons une grande variété d'émotions et de sentiments qui animaient le peuple. Nous y trouvons la détresse, nous y trouvons la souffrance, la peur, mais aussi la paix. De même, ces psaumes témoignent des différents états d'esprit dans lesquels le peuple se trouvait sur ce chemin. Le peuple qui était face parfois à l'attente et à l'incertitude, qui était face aux doutes, ou encore qui était rempli d'une confiance en Dieu. Et parmi tous ces psaumes, il y a le psaume 122, dont je souhaiterais vous lire ce matin en introduction le verset 1. On maîtrisait mieux les nouvelles technologies lorsqu'il y avait le confinement, mais la Bible, elle, heureusement, est toujours là. Je vais ouvrir la parole de Dieu au psaume 1, au psaume 122, et je vais lire le verset 1. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, nous allons monter à la demeure de l'Éternel. David et le peuple étaient dans la joie, puisque se rendre au temple signifiait se rendre dans le lieu où Dieu manifestait sa présence. C'était de pouvoir être dans une proximité toute particulière avec lui, et cela les réjouissait. Et à la lumière de ce verset, je souhaiterais souligner deux vérités si précieuses pour nous en ce début de culte. La première, c'est la grâce que nous avons en Jésus-Christ, de venir, mais aussi de nous tenir dans la présence de notre Dieu. Durant toutes ces semaines, alors que nous n'avons pas pu venir ici, nous avons pu, là où nous sommes, dans nos maisons, en tout lieu et en tout temps, être dans la présence de notre Dieu. Quelle grâce, mes amis! Quelle grâce! Le peuple d'Israël devait se rendre à Jérusalem. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça, ça nous réjouit. Et la deuxième vérité de ce passage, c'est que comme le peuple d'Israël, nous sommes tous ce matin ici présents, animés par différents sentiments, animés par différentes émotions. Et pour beaucoup d'entre nous ce matin, il y a de la tristesse. Vendredi, une sœur de notre église, Sylvie, est décédée. Et nous sommes profondément attristés. Et nous souffrons avec la famille. Nous pleurons avec eux. Et nous prions pour eux, mes amis. Et pourtant, au milieu même de cette détresse et des larmes, il y a de la joie. La joie de savoir que notre sœur est auprès de notre Seigneur. Amen. Voilà quelle est notre espérance. Jésus-Christ est ressuscité et notre sœur est auprès de notre Seigneur. Et en même temps, il y a une joie, mes amis. Une joie qui n'est pas liée aux circonstances,
Une joie qui ne nie pas les difficultés. C'est cette joie que David et le peuple d'Israël avaient. De savoir que nous pouvons venir dans la présence de notre Dieu tel que nous sommes. Avec les sentiments qui nous animent. Car nous avons la conviction que notre Dieu est plein de compassion. Et que nous pouvons venir l'adorer ce matin. Mais aussi déposer tous nos fardeaux. Tous nos fardeaux au pied de la croix. Jésus a porté à la croix tous nos fardeaux. Et il a vaincu le péché et la mort. Et c'est ce que je voudrais vous inviter à faire en ces débuts de culte. À travers ces deux premiers chants, que nous puissions adorer notre Seigneur et le chanter comme ces psaumes démontés. Qu'à travers ce que nous avons sur le cœur, nous puissions l'exprimer durant tout ce culte. Car notre Dieu est digne de louange et d'adoration. Levons-nous et adorons notre Dieu.
matin vous inviter à acclamer le roi des cieux, celui qui comble nos cœurs de joie, celui qui enlève toutes nos peurs. Et on veut vraiment le louer ensemble. Quelle joie d'être ensemble. Amen. Je suis contente de vous voir.
inviter à un temps d'adoration. On l'a chanté, mais qu'on puisse le prier tous ensemble, à voix haute, à voix forte. Quelle joie de pouvoir, cette fois-ci, prier encore ensemble, tous unis dans la présence de notre Seigneur. Élevons notre voix vers le roi des cieux. Père, merci infiniment, car Seigneur, tu n'es pas seulement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais tu es notre Père. Ce Père aimant, ce Père bienveillant, Amen. Ce Père qui nous a rachetés en Jésus-Christ. Sois glorifié, sois élevé, car tu es digne de nos louanges, digne de notre adoration. Reçois nos vies comme un culte qui te soit agréable, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire te soit rendue, Seigneur. À toi, Seigneur, toute la gloire. Que ton nom soit élevé, Seigneur, parce que tu es le Dieu de la vie. Gloire te soit rendue. Cette vie qui ne finit pas. Cette vie qui s'est manifestée en Jésus-Christ et qui nous réunit aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit que tu nous donnes, qui nous a tenus, soutenus. Accompagné, nourri. Et Seigneur, merci pour cette joie de se retrouver ensemble ce matin. Que toute grâce, gloire, honneur t'appartienne. Amen. Alléluia. Tu es notre Dieu. Seigneur, à toi appartient le siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. C'est vrai, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Tu l'as été, tu l'es et tu le seras. Nous te remercions car tu ne changes pas. Tu es le Dieu du confinement, tu es le Dieu de ce matin, tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la mort. Et Seigneur, combien nous voulons te louer, car tu es le même. Amen. Amen. Dans le psaume 125, on va continuer avec la Bible papier. Nous lisons versets 1 à 2. Ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel sont comme le mont de Sion. Il n'est pas ébranlé et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Notre Seigneur nous entoure. Il est là ce matin encore alors que nous le célébrons. Et je vous invite, on va chanter ces cantiques qui nous invitent à placer notre confiance en lui. Car il est le rocher de toute éternité. Levons-nous et adorons notre Dieu. Parfois dans nos vies, on ne comprend pas vraiment pourquoi il y a des choses qui se passent, pourquoi Dieu permet. Je pense que vous pensez la même chose, on ne comprend pas parfois. Mais c'est alors qu'on veut vraiment confier, se confier en lui et dans son amour. Et on veut aussi déposer tous nos fardeaux à ses pieds parce que c'est le seul endroit où ce sera possible. Donc je vous invite vraiment à chanter ces deux chants maintenant. Je me confie en toi. Thank you.
Et je voudrais nous inviter là où nous sommes, à voix basse, à voix haute, mais priez tous ensemble pour venir déposer tout fardeau, tout souci, toute inquiétude, tout doute, toute crainte au pied de la croix. Car notre Dieu entend, notre Dieu répond, notre Dieu délivre, notre Dieu est vivant. Déposons au pied de la croix tous nos soucis. Thank you.
Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Quelle grâce de savoir que notre Dieu nous invite lui-même à déposer nos fardeaux. Il s'intéresse à nous, il nous connaît, et il est tout puissant. Je voudrais vous lire un autre psaume, cette fois-ci le psaume 121. Toujours dans cette série des psaumes démontés, et souvent dans nos Bibles, il y a un petit titre, et celui-ci s'appelle « Mon secours vient de l'Éternel », le psaume 121. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et tes venues, dès maintenant et à jamais. Oui, on l'a chanté, notre avenir est entre ses sûres mains. Notre Dieu est notre protecteur. Et c'est pourquoi il est digne d'être loué, parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Et c'est ce chant que je voudrais que l'on puisse entonner. Toi seul es digne de recevoir louange, gloire, honneur. Chantons ensemble, mes amis. Pour les
place. C'est ce Dieu merveilleux, glorieux, que nous souhaitons aussi, que nous désirons que nos enfants et les plus jeunes puissent connaître. Et les enfants, normalement, vous avez dû recevoir à l'entrée vos petites activités. Et avant justement de pouvoir les compléter, les remplir, les colorier et apprendre de nouvelles choses, je voudrais vous laisser avec une petite vidéo de l'équipe enfance destinée pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, un petit peu moins, j'étais en communication tout à l'heure et je devais donner des informations assez importantes et il n'y a plus de réseau et j'arrive plus à rappeler la personne. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi. D'ailleurs, on va voir les moyens de communication. On sait que depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à communiquer à distance pour pouvoir donner des informations qui étaient plus ou moins importantes. Un roi qui voulait déclarer la guerre et l'indiquer à un général qui se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres. Un empereur qui, lui, voulait demander la paix à un autre qui se situait au-delà des frontières de son empire. Un prince qui voulait manifester son amour à une princesse qui se trouvait au-delà des océans, des mers. Et une personne qui voulait juste commander une pizza. En tout cas, l'homme a inventé plusieurs moyens de communication et on va en voir certains. Lorsque nous avions besoin d'échanger des informations entre royaumes, messagers à pied ou à cheval étaient utilisés. Mais ils n'étaient pas forcément très fiables en raison du nombre de kilomètres qu'ils devaient parcourir. Les chutes étaient vite arrivées. Hein. Fatigués, assoiffés, affamés, ils n'avaient pas forcément tout le temps de quoi dormir, de quoi manger. Et... les informations arrivaient un peu tard. Dommage. Certains peuples, notamment ceux qui vivaient en Amérique et en Chine, avaient d'autres moyens de communication. Vous voyez cette fumée-là? Ils utilisaient les signaux de fumée. Avec un feu et un tissu, on pouvait transmettre un message sans pour autant parcourir des kilomètres incalculables. Ils s'observaient de loin. Mais pour cela, il fallait quand même un peu d'entraînement. Sinon, le message était incompréhensible. Ah, l'époque du télégraphe. Il a vraiment été super important, car on a commencé à transmettre des messages dans les airs. Oui, oui, vous avez entendu. Dans les airs, via les fils électriques. Et tout cela en morse. C'était quand même du sport, hein. Non seulement il fallait connaître toutes les lettres de l'alphabet morse, mais il fallait avoir de l'énergie, hein. Il devait avoir les mains musclées à cette époque. On ne pouvait pas trop se balader avec aussi. Hein. Après cela, nous avons eu le Minitel, le téléphone portable, le messager de poche, et Internet. Vous avez vu, l'homme a inventé pas mal de choses. Hein. Et
il faut dire que quand même, c'est réussi. On utilise encore ces moyens-là aujourd'hui. Eh bien, il y a quelque chose de super simple et ingénieux que vous connaissez, c'est la prière. Dieu a inventé ce moyen de communication qui est super efficace. Quand on veut adresser un message à Dieu, le message n'est pas perdu. Ce message n'est pas transformé, ce message n'arrive pas trop tard et ce message arrive au bon interlocuteur. Dieu aime qu'on lui raconte notre journée. Il aime quand on lui parle comme à un ami, comme à son père, sa mère, son frère, sa sœur. Il aime cela. Il aime se réjouir avec nous quand on est dans la joie et il nous réconforte quand on est frustré ou qu'on est peiné. Et il sera toujours là pour nous. Il nous écoute et il nous répond. Alors, pas comme on l'entend, pas comme des fois on le pense, mais je vous assure, il répond. Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. Les activités Kidsland t'aideront à savoir comment prier. Sans plus attendre, je te laisse avec l'histoire d'une enfant qui croyait que Dieu répond aux prières. Pierre en prison. Le roi Hérode n'aime pas les chrétiens. Il leur fait du mal. Jacques, ami de Jésus, est alors arrêté et tué. Les responsables religieux juifs sont heureux de ce qu'Hérode fait parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Hérode veut être ami avec les responsables religieux juifs. Il se dit: faisons leur plaisir, mettons Pierre en prison. Pierre est gardé par 4 groupes de 4 soldats qui surveillent sa cellule. En plus, Pierre a des chaînes. Apprenant cela, les autres amis de Jésus prient pour Pierre dans leur maison. Pendant la nuit, un ange apparaît dans la cellule de Pierre. Il réveille Pierre qui dormait entre 2 soldats et lui dit de se lever. Les chaînes de Pierre tombent et les 2 soldats restent endormis. L'ange lui dit de mettre sa ceinture et de le suivre. Pierre le suit, mais ne croit pas que c'est réel. Il croit rêver. L'ange et Pierre passent 4 gardes, puis 8, puis 12, puis 16, et arrivent à la porte de la prison. La porte s'ouvre devant eux. Ils sortent et font quelques pas dehors, en dehors de la prison. L'ange quitte alors Pierre. Pierre regarde autour de lui et se rend compte que c'est réel. Dieu l'a miraculeusement libéré de prison. Pierre va alors chez ses amis et frappe à la porte. La servante de la maison va à la porte et demande: qui c'est? Pierre répond: c'est moi, Pierre. La servante reconnaît la voix de Pierre et dans sa joie oublie de lui ouvrir, mais court prévenir les autres. Pierre est là, à la porte! Pierre attend dehors et ne comprend pas pourquoi on ne lui ouvre pas. Les amis de Pierre n'arrivent pas à croire la servante et continuent de prier. Elle insiste: je vous assure, c'est lui, il est là! Cette fois, ils l'écoutent et vont tous voir à la porte. Ils ouvrent et c'est bien Pierre. Quelle joie! Pierre leur raconte alors comment Dieu l'a libéré de prison. Ils sont émerveillés. Dieu a entendu leur prière. Sans plus attendre, je te laisse avec Elia qui nous donne le verset pour la vie. Au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Elia, à bientôt. La parole à Manu maintenant pour nous communiquer directement la parole de Dieu et de ce qu'il lui a mis à cœur pour nous ce matin.
Comme nous y avons été encouragés, je propose de prier, puisque nous avons cette immense grâce et privilège de pouvoir parler à Dieu. Éternel, nous proclamons que tu es Seigneur, que tu es à la droite du Père et que toi qui t'es donné par amour pour nous, tu règnes et que tu as fait de nous tes enfants, ton peuple. Et tu nous remplis de joie ce matin de nous permettre de nous rassembler, de nous réunir pour à nouveau ensemble, dans un même lieu, faire monter ces louanges et nos prières. Éternel, nous avons eu tellement besoin de toi ces dernières semaines. Nous avons réalisé, Éternel, notre petitesse et notre fragilité, comme rarement auparavant. Et nous reconnaissons que toi, tu es grand et redoutable. Tu ne te fatigues pas, tu n'es jamais lassé. Et c'est pourquoi nous venons aussi à toi ce matin te dire que nous avons besoin de toi, grand besoin de toi, de tes promesses et de tout ce que tu nous as promis de nous donner en Jésus-Christ, Seigneur. Couvre-nous de ces bénédictions, Seigneur. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, alors que nous reprenons nos cultes ici même, de nous laisser transformer, Seigneur, de grandir vers cette maturité, vers cette ressemblance à toi, Seigneur. Délivre-nous de vies vaines, Seigneur. Délivre-nous des idoles et des faux espoirs d'ici-bas. Et que notre confiance en toi, Seigneur, ne cesse de grandir, de mûrir. Et merci pour les trésors de ta parole qui nous ont tellement portés et nourris ces dernières semaines. À toi toute la gloire, Père. Parle-nous ce matin, je t'en prie. Amen. Comme vous, j'ai tellement attendu ce premier dimanche où nous pourrions enfin nous rassembler ensemble dans un même lieu pour adorer. Ce n'est pas que nous n'avons pas pu adorer et nous avons été gâtés par tout ce qui a été mis en place par les différentes équipes et on vient de le voir avec l'équipe enfance. Et je pense honnêtement qu'on pourrait vraiment applaudir et remercier tous ces frères et sœurs qui se sont donnés. Que ce soit les équipes d'accueil, que ce soit les équipes de présidence, que ce soit les équipes de louange, que ce soit l'équipe d'enfance. Et puis Mickey qui a accompli un travail phénoménal avec Mathieu de coordination de toutes nos vidéos et qui nous ont permis d'être reliés, même si c'était au travers de la technologie. Donc c'était nécessaire, mais c'est vrai que rien n'égale la joie de se réunir enfin. Et aujourd'hui, ce n'est que le premier dimanche et bien évidemment, au fur et à mesure des dimanches, nous espérons pouvoir être de plus en plus nombreux. Et je me dis que s'il y a de la joie après 3 mois de séparation, imaginez ce que cela va être au ciel. Imaginez une seconde ce que cela va être lorsque nous nous retrouverons dans cette nouvelle création pour ne plus jamais être séparés les uns des autres. Et nous retrouverons ceux qui nous ont précédés dans cette gloire. Nous les retrouverons, nous pleurons aujourd'hui, mais eux sont dans la joie. Ils ne souffrent plus. Et ils voient celui par lequel ils ont marché par la foi ici-bas. Et ça, c'est notre espérance, mes amis. Celle à laquelle nous nous attachons. Et nous prendrons le temps, lors du prochain dimanche, de revenir sur tout ce que nous avons vécu et de rendre aussi hommage aux frères et sœurs, à nos bien-aimés. Mais en attendant et malgré l'émotion, je suis si heureux, c'est paradoxal, et reconnaissant de vous revoir, même avec vos masques. Vous vous rendez compte, vous allez pouvoir bâiller pendant la prédication sans que je le voie. Profitez parce que ça ne va pas durer. J'avoue, je crois que j'ai imaginé une bonne centaine de versions du premier message que je ferai.
Et j'ai tellement de textes bibliques qui ont pris un tout autre sens durant ces 3 derniers mois et dont j'aimerais vous parler. Il y a vraiment plein de sujets dans ma tête et c'était compliqué. Et je savais qu'en plus, il fallait faire court. Mais comme vous, nous avons tous vécu tellement de choses, tellement d'interrogations. Et aussi, autre info, c'est que nous voulons prendre ce temps d'échanger. Et notamment lors de cette semaine, nous aurons 2 soirées de prière, mercredi et vendredi, où justement nous voulons prendre le temps d'échanger ensemble. Il y aura une large place pour pouvoir justement partager ce que nous avons vécu. C'est difficile à mettre en œuvre un dimanche matin dans un culte, mais par contre, lors de nos soirées, ce sera le moment où nous allons pouvoir vraiment échanger. Je sais que beaucoup ont vécu de choses et nous avons à cœur de nous les partager mutuellement. Donc, ce sera possible, vraiment. En attendant, je veux vraiment vous encourager avec un texte qui m'a fait beaucoup de bien dans Jérémie, au chapitre 9, les versets 22 et 23. Jérémie, donc ce prophète d'Israël dans l'Ancien Testament, et au chapitre 9, et les versets 22 et 23. Et comme le ferait notre chère Évie, je vous propose qu'on les lise ensemble. Vous voulez bien ? L'Éternel dit ceci, que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa puissance, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'Éternel le déclare. Puisque les enfants sont avec nous ce matin, j'aimerais vous donner une illustration pour les enfants, mais qui sera aussi sans doute utile pour nous les adultes, pour comprendre ce verset-là. En fait, pour comprendre ce verset, les deux versets, 22 et 23, il nous faut comprendre ce mot « Alléluia ». On l'a chanté dans le chant qui a précédé le message « Alléluia ». Je pense que c'est un mot avec lequel nous sommes familiers, c'est un mot universel, dans toutes les langues, on le retrouve sous sa même définition. Et est-ce que vous savez ce que signifie « Alléluia » ? En fait, vous le savez, puisqu'il y avait même une diapo qui vous l'a dit. « Alléluia », les enfants, vous savez ce que ça veut dire ? Oui ? Qui sait ? Vas-y. Tout à fait. En fait, « Alléluia », c'est la version latine d'un double mot. C'est la version latine du mot hébreu « Allélu » et « Yah » qui est le diminutif de « Yahweh ». Donc, comme vient de le dire, « louer Dieu ». Mais autre chose qui est intéressante, c'est que « Allélu », donc le début de ce mot, c'est un verbe. Un verbe qui veut tout simplement dire l'action de louer, de glorifier, de célébrer ou de vanter. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est ça que c'est ce verbe-là qu'utilise Jérémie lorsqu'il nous dit « que celui qui est sage ne se glorifie pas ». En fait, il est en train de dire que celui qui est sage n'alléloue pas sa sagesse. Que celui qui est fort n'alléloue pas sa puissance. Que celui qui est riche n'alléloue pas sa richesse. Tu es sage ? Ne célèbre pas ta sagesse. N'alléloue pas ta sagesse. Alors maintenant, si vous avez suivi ce que l'on vit depuis 3-4 semaines à l'église, je vais dire, mais je ne comprends pas. Ça fait 3 semaines que vous nous dites qu'il faut grandir dans la sagesse et qu'il faut en plus méditer les proverbes chaque jour et lire un seul chapitre. Absolument. Sauf que la sagesse dont parle ici Jérémie n'est pas justement celle que nous sommes en train d'apprendre. Rappelez-vous, par quoi commence la véritable sagesse ? Ah, ben le verset est déjà là. Par la crainte de l'Éternel que commence la véritable sagesse. Cette sagesse-là qui reconnaît qui est Dieu, nous devons l'acquérir. Alors pourquoi Jérémie dit, si tu es sage, ne te glorifie pas ? Parce que la sagesse à laquelle étaient arrivés les contemporains d'Israël n'avait rien à voir. Voici le reproche qu'il leur donne juste un peu avant, au chapitre 8 de Jérémie. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des sages, nous avons la loi de l'Éternel ? Les sages, en fait, sont confus, car ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Que peuvent-ils encore avoir comme sagesse ? Voyez-vous, le peuple, à un moment à laquelle Jérémie leur parle, était devenu un peuple qui pensait que le fait d'avoir la loi de l'Éternel, d'avoir été choisi par Dieu,
ça faisait d'eux des sages automatiquement. Si bien qu'ils avaient cette prétendue sagesse, mais sans la crainte de l'Éternel. Ils se glorifiaient tout simplement d'avoir la loi. Et au point où Jérémie dit, mais en fait, vous n'avez pas compris ce qu'est la véritable sagesse. Et celui qui se croit sage dans ce genre de définition, qui ne se glorifie pas, qui ne alléloue pas cela. Voyez-vous, Jérémie, il avait un message délicat et difficile pour son peuple, c'est qu'il devait les encourager, ou plutôt leur ouvrir les yeux et leur faire prendre conscience que le peuple était en train de alléluer, de glorifier, de célébrer toutes sortes de choses qui n'allaient pas durer. Toutes sortes de choses, en fait, qui étaient profondément instables. L'orgueil de se croire intelligent, sa propre force physique ou ses richesses n'allaient pas leur servir à grand chose lorsque l'Éternel allait leur envoyer l'Empire babylonien pour les juger. Tu es fort, ne célèbre pas ta force. Comment le peuple d'Israël, qui a maintes fois connu la délivrance par la faiblesse et par la petitesse, pouvait oublier cette vérité? L'une des plus grandes victoires de l'histoire d'Israël, c'est laquelle? C'est David face à Goliath. Le seul qui ne s'est pas glorifié de sa force a réussi à vaincre. Et maintes et maintes fois, on voit ces genres de situations où c'est dans la limite et dans la faiblesse et dans la fragilité que finalement l'Éternel donne la victoire. Pareil pour les richesses. À quoi vont vraiment vous servir les richesses face à l'épreuve qui attend? En fait, je trouve que c'est une interpellation très pertinente pour nous. S'il y a une chose que l'on peut difficilement faire après ce que nous avons vécu, en tout cas pour notre société, c'est de alléluer notre sagesse. Où ont été nos spécialistes? Où a été la sagesse de tous les intelligents? Où a été notre force? Où à quoi a-t-elle servi? Même notre porte-avions Charles de Gaulle a dû être mis en quarantaine. Le summum de notre puissance militaire, mis à quai avec des ambulances devant, parce que si le personnel est infecté, il ne sert plus à rien. Et nos richesses, elles ont servi à quoi? Ce verset est tellement pertinent. Il est tellement d'actualité et c'est pour ça que Jérémie l'adresse à son peuple et il nous adresse aujourd'hui. Je veux commencer par cela parce que je veux enfoncer cette vérité. Si nous célébrons autre chose que Dieu, si nous allélouons ce que vous voulez derrière, votre beauté, vos diplômes, vos études, votre maison, vos loisirs, n'importe quoi, vous êtes en train de allélouer du vent. Nous sommes tous en train de glorifier quelque chose qui ne va pas tenir, qui ne va pas durer. Pendant un moment, cela peut... Et ce n'est pas forcément une chose mauvaise en soi, mais c'est la confiance que l'on met dessus qui est mauvaise en soi. Voyez-vous, chaque fois que nous nous auto-célébrons, en fait, nous commettons ce qui est le cœur du péché. C'est de donner à autre chose qu'à Dieu l'autorité de Dieu. Je sais que ce n'est pas quelque chose nécessairement de nouveau pour nous, mais cette épreuve, je pense, nous l'a refait découvrir et prendre conscience. Mais c'est quelque chose que notre société, que nos contemporains ont grandement besoin de découvrir. Parce qu'en fait, cette réalité-là, même si elle peut être désagréable à entendre, est la plus salutrice possible. Parce que lorsque je commence à comprendre que, en effet, si je compte sur cela, si je compte sur mes mérites, si je compte sur ces choses-là, je suis en train, en fait, de me préparer à l'échec et au désastre quand viendra le jour de l'épreuve, finalement, c'est une bonne chose. Parce que la question qui va venir aussitôt après, dans ce cas-là, si je ne peux pas me confier, si je ne peux pas dire « Alléluia à ma sagesse et mon intelligence, Alléluia à mon travail, Alléluia à ma santé, Alléluia à ceci et à cela », dans ce cas, à quoi je vais pouvoir dire « Alléluia » ? Qu'est-ce que je vais pouvoir réellement glorifier? En quoi est-ce que je vais vraiment pouvoir me vanter? Et c'est là que vient le salut. Nous ne pouvons pas être véritablement sauvés et délivrés tant que nous continuons à croire que le sable tient quand la pluie tombe. Et cette vérité, nous la retrouvons sans cesse. Et le Seigneur Jésus termine son plus grand enseignement de Matthieu 5 à 7
par cette vérité. Celui qui entend mes paroles, mais qui va quand même bâtir sur le sable, il s'appelle comment les enfants ? Un insensé. Mais celui qui entend et qui bâtit sur le roc, jamais la pluie ne viendra, jamais la tempête ne viendra. Non. Mais lorsqu'elle viendra, elle tiendra. C'est une vérité qu'un enfant peut comprendre, mais c'est une vérité que nous, les adultes, passons notre vie à oublier. Nous l'enseignons à nos enfants et ils nous voient bâtir sur le sable. Nous sommes entourés, j'ose le dire, d'idiots et d'insensés qui nous encouragent jour après jour à bâtir sur le sable en se prétendant sages, en se prétendant forts, en se prétendant riches, en se prétendant experts. Mais qui est un expert de quoi dans ce monde ? Dites-moi. Après 8 cérémonies d'obsèques avec Cédric, s'il y a une chose que nous avons réellement constatée le jour des obsèques, c'est qu'il n'y a aucun expert. Aucun. Aucun pour ce qui tient vraiment. Pour qui se donne vraiment un sens au-delà de la pire des épreuves. Alors je veux enfoncer le clou ce matin parce que si nous n'avons toujours pas compris ça, ce confinement et cette épreuve nous a servi à rien. Les enfants, les jeunes, je vous en supplie, bâtissez sur le roc. Bâtissez sur ce qui va vraiment durer. Et si vos parents vous poussent ou vous mettent la pression sur les études, dites-leur non. Dites-leur non. Pas en premier. Non papa, non maman, en premier je vais bâtir ma vie sur Dieu. Et je vais étudier avec l'intelligence qu'il me donnera. Mais je ne vais pas bâtir ma vie sur le travail que vous voulez que j'aie. Ou sur la retraite que vous voulez que j'aie. Je vais bâtir ma vie sur ce qui dure, sur ce qui ne tombera pas le jour où la tempête vient. Il le faut. Il le faut, mes amis. Prendre cela. Et là, nous avons un message d'amour, mais un message clair et net que nous devons dire et redire à nos concitoyens. Et la bonne nouvelle, elle est dans ce verset 23. Parce que comme toujours, il y a. Veux-tu dire Alléluia ? Alors dis Alléluia. On pourrait presque paraphraser comme ça. Celui qui veut se glorifier, dans ce cas-là, celui qui veut vraiment célébrer quelque chose, qu'il se réjouisse et qu'il célèbre le fait de me connaître. Moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice, car ce sont là les choses qui me font plaisir. L'intelligence de connaître. Et vous l'avez compris que la sagesse, quand on parle d'intelligence, on n'est pas en train de parler de QI. On est en train de parler simplement de cette réalité que je reconnais Dieu pour être Dieu, ce qu'un enfant peut faire, ce qu'une personne âgée peut faire, ce qu'une personne, quel que soit son niveau d'étude, peut faire. Je reconnais que Dieu est Dieu. Celui qui fait cela, oh, il peut se glorifier, il peut dire Alléluia. Non pas parce que justement il sera en train de se glorifier lui-même, mais il sera en train de glorifier la grâce qu'il a de connaître Dieu. Parce que c'est la seule chose qui va vraiment tenir. Maintenant, que signifie connaître Dieu ? Les enfants, qui d'entre vous connaît cette personne ? J'ai regardé un peu les registres scolaires de ma fille là. Qui connaît cette personne ? Je vois une main levée. Louis XIV, qu'est-ce que vous savez sur lui ? Où est-ce qu'il habitait ? Une partie de sa vie, Versailles. Il était roi de quoi ? De la France. Qui d'entre vous le connaît bien ? En fait, on découvre vite qu'avec un personnage historique, la seule chose que l'on peut connaître, c'est des informations historiques qu'on a mémorisées. Alors, on va peut-être savoir sa date de naissance, le lieu de sa naissance, on va peut-être savoir la durée de son règne. Donc, selon les personnes, on peut accumuler plus ou moins de connaissances, qui sont en fait des connaissances plutôt intellectuelles, sur la personne de Louis XIV. Et si vous avez une bonne mémoire, bah vous en mémorisez beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment connaître Louis XIV ? Qui d'entre vous connaît cette jolie personne ? C'est Floriane.
Qui la connaît un peu? Ah, j'ai entendu, moi je la connais. Alors qu'est-ce que tu sais sur Floriane? C'est une amie. Voilà. Mais moi je pourrais vous dire plein de choses, et sa famille encore plus. On pourrait vous dire ce qu'elle aime, qu'elle a pas simplement des informations théoriques, quel âge elle a, ou la date de son anniversaire, mais on pourrait vous dire ses goûts, ses couleurs, ce qui la rend joyeuse, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme les copines, on a une relation avec elle. Même si je mémorise plein de choses sur Louis XIV, je ne pourrai jamais avoir de relation avec Louis XIV. Mais par contre, avec une personne qui nous est proche, là, parce qu'il y a une relation, on finit par connaître beaucoup plus que les choses théoriques. On finit par la connaître personnellement, intimement. Et quand la Bible parle de connaissance et de connaître Dieu, que celui qui se glorifie de me connaître, c'est de cette deuxième approche qu'elle parle. Une connaissance relationnelle, expérience. J'ai vécu, j'étais là quand on a fait la fête, j'étais là quand elle était triste, j'étais là, j'ai vécu des expériences avec elle. Du temps de Jérémie, Israël avait beau connaître des choses sur Dieu, ils n'avaient plus de relation avec lui. Ils avaient accumulé des faits historiques. Oh, ils savaient que c'était Moïse qui avait donné la loi, ils auraient pu vous citer les 10 commandements, ils avaient mémorisé des choses. Mais ils n'avaient plus de connaissances relationnelles, expérimentales. Et j'espère que durant ces 3 derniers mois, c'est cette relation qui a grandi. Parce que quand je parle de connaître Dieu, ce n'est pas de simplement accumuler des connaissances, mais c'est de réellement expérimenter des choses avec lui. Dans les moments les plus joyeux, comme dans les moments les plus difficiles. Parce que c'est ce qui vous permet de dire à un moment, je connais Dieu. Et en fait, je réalise qu'il me connaît aussi. Connaître Dieu, ce n'est pas du tout ce que notre société nous encourage le plus à faire. Et pourtant, lorsqu'une épreuve arrive, lorsqu'une crise nous frappe, nous réalisons tout d'un coup la futilité de tout le reste, alors que nous mesurons à quel point connaître Dieu et savoir qu'il est là, connaître ses promesses et les expérimenter, avoir la paix lorsque tout nous paraît impossible, et cette fameuse paix surnaturelle de Philippiens 4 que vous connaissez. À ce moment-là, nous savons quelle grâce de connaître Dieu, même dans l'heure la plus sombre. J'ai redécouvert un passage magnifique de Job que je voudrais vous lire. Il était un tout il y a trop long. Je vous lis Job. Vous connaissez l'homme et ce qu'il vivait, mais voici un moment ce qu'il dit au chapitre 19, verset 23. Oh, si quelqu'un pouvait consigner mes paroles, si quelqu'un voulait bien les graver dans un livre, qu'avec une pointe de fer ou un stylet de plomb, elles soient incisées pour toujours dans le roc. Je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Et en dernier lieu, il surgira sur la poussière. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux je le contemplerai, et il ne sera plus un étranger pour moi. Oh, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. Job ne comprenait pas tout de Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait certaines choses, et qui n'expérimente pas ce sentiment parfois, de ne pas comprendre. Mais Job connaissait Dieu et espérait en Dieu et savait que le peu qu'il savait de Dieu suffisait à le remplir d'espérance, quand bien même il ne comprenait pas. Vous voyez pourquoi connaître Dieu est si précieux? Parce qu'il y a des moments où c'est dur de ne pas comprendre Dieu. C'est dur de ne pas comprendre ce qu'il fait. C'est dur de ne pas pouvoir lui dire, mais vraiment là tu t'y prends mal. Mais quand la confiance et la connaissance nous permettent de dire non, je ne comprends pas, mais je sais que tu es vivant. Mon défenseur est vivant et je le contemplerai. Et il va jusqu'à annoncer sa foi dans la résurrection alors qu'à cette époque-là, il ignore tout encore. Et pourtant, il est dit, oh, je le verrai prendre mon parti. De mes propres yeux, je le contemplerai. Et Job n'a pas été déçu. Job n'a pas été déçu. Et lisez les derniers chapitres et vous verrez
combien au contraire il a été émerveillé. Oui, cette connaissance, elle peut être un véritable sujet de joie. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné avec cette magnifique promesse. La vie éternelle. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Celui qui connaît Dieu a la vie éternelle. La vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le Dieu unique et véritable est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de l'éternel ne deviendra jamais, ne peut jamais devenir un sujet d'orgueil. Mais la connaissance véritable de l'éternel nous ouvre, mes amis, cette promesse de l'éternité. Voilà pourquoi nous pouvons dire Alléluia. Je termine juste avec cette illustration. Il y a des années de cela, et on en a souvent rigolé avec mon épouse, on se trouvait à un événement artistique chrétien, avec des peintres, des chanteurs, des chorales. Et puis le soir, il y a eu un concert. Et il n'y avait pas grand monde. La pub n'avait pas été très très bien faite. Et donc du coup, il n'y avait pas grand monde à l'événement. Et la pauvre personne pour le concert, ce n'était pas forcément agréable. Donc elle se donnait le maximum d'énergie pour essayer de motiver les quelques spectateurs parsemés. Et puis à un moment, elle avait un chant avec le mot « Alléluia ». Et elle a commencé à demander aux quelques personnes présentes dans la salle « Est-ce qu'ils étaient Alléluia ?» Et donc, elle a circulé avec le micro et elle est allée voir les différentes. Et puis, elle allait voir, est-ce que tu es Alléluia? Et puis comme ça, je suis Alléluia, est-ce que tu es Alléluia? Et puis, ainsi de suite. Et disons, on rigolait un petit peu parce qu'en fait, l'atmosphère était tellement pesante, c'était tellement désert. Et il y avait des gens qui étaient non-chrétiens qui avaient été invités. Et les gens, ils disaient, oui, comme ça. Et donc, c'était un peu, alors on en a souvent rigolé. Mais ceci dit, il y avait une chose de vraie dans sa question. Tout le monde sur cette terre est alléluia de quelque chose, de soi-même, de je ne sais quoi. Mais la question pour nous ce matin, c'est est-ce que tu es alléluia? La question que nous devons poser à nos concitoyens, et bien sûr en l'expliquant, qui est-ce que vous louez? Qui est-ce que vous célébrez? Et que se passe-t-il si ce que vous célébrez, vantez, glorifiez, ne dure pas? Voilà pourquoi nous sommes Alléluia. Dieu est Dieu, je veux le connaître et nous voulons le connaître. Et je sais que de cette connaissance jaillit la promesse de la vie éternelle et un jour de le voir. Et que rien ne pourra nous arracher cette vérité-là. Et c'est pour ça que je veux nous encourager dans cette réalité. Veux-tu te glorifier? Glorifie-toi d'avoir l'intelligence, la grâce de connaître Dieu, mon ami. Oui, cela, nous pouvons nous glorifier parce que c'est une grâce. Nous pouvons le chanter, nous pouvons le crier et nous allons le refaire dans quelques instants. Que le Seigneur nous donne cette grâce de grandir dans cette connaissance avec lui parce que là se trouve en lui la vraie sagesse, la vraie force et la vraie richesse. Amen. Amen. Grand merci Manu pour cet encouragement à se questionner personnellement. Et on va entonner ce dernier chant, en effet. Nous avons la grâce de connaître le Seigneur. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons placé notre foi en lui et que l'on puisse le célébrer, lui rendre gloire, car c'est le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses et qui nous aime tant. Thank you.
Amen. Quelle parole puissante, n'est-ce pas? Et quelle joie pour moi de vous retrouver ce matin, de vous voir avec vos beaux sourires, avec vos beaux yeux, pardon, et d'être tous rassemblés. Quelle joie, quelle joie. Je vais prendre une photo de vous tous là, si vous voulez bien, parce que c'est quand même historique ce qu'on est en train de vivre, hein, n'est-ce pas? Ah mince, j'ai plus de batterie. Est-ce que quelqu'un a un téléphone, Cédric? Tu veux bien monter et prendre une photo de tout le monde? Voilà, faites votre plus beau sourire. Et comme ça, on mettra dans les annales de l'église de Ponto. Trop bien. Il y a du monde, il y a du monde. Trop bien. C'est bon? Génial. Au top. Merci Cédric, merci pour ça. Donc, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas vus encore. Si vous nous regardez chez vous aussi, bonjour. Mon rôle ce matin, c'est de vous partager quelques annonces. Une des choses qui m'a manqué le plus pendant le confinement, je crois que c'était de prier avec mes frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on aimerait vous donner l'occasion de pouvoir prier ensemble cette semaine, mercredi soir et vendredi soir à partir de 20h, ici même dans cette salle. Pas besoin de vous inscrire. Mais rendez-vous directement ici, avec vos masques, évidemment, également. Mais on va prier ensemble et aussi donner l'occasion à chacun de s'exprimer sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a appris, sur peut-être des douleurs que vous avez, pour qu'on puisse partager cela ensemble et prier vraiment ensemble. Donc, rendez-vous mercredi et vendredi, deux soirées à partir de 20h cette semaine. Autre annonce. J'aimerais vous donner des nouvelles, wow, qui sont beaux, de la famille Hendrickson, qui sont bien arrivés aux États-Unis. Vous savez que la semaine dernière, ils sont rentrés aux États-Unis pour une période d'au moins une année. Et ensuite, ils vont démarrer un nouveau ministère à Birmingham, en Angleterre. Mais ils sont bien arrivés aux États-Unis et maintenant, ils sont dans une maison, confinés pendant deux semaines dans le Wisconsin. Donc, mais ils m'ont chargé de vous transmettre leur amitié pour ceux qui n'ont pas pu les voir et en tout cas leur dire au revoir. Autre annonce qui concerne vous qui êtes ici et vous qui êtes chez vous aussi, c'est que dimanche prochain, on va continuer à faire le culte tous ensemble et nous aurons deux cultes à deux horaires, donc à 10h30 et à 17h. Donc si vous êtes dans la salle, c'est que vous avez bien fait, vous êtes bien inscrit comme il fallait. Et si vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas venu ce matin, mais que vous voulez venir à partir de la semaine prochaine, il va falloir vous inscrire. Pour cela, il suffit d'aller sur notre site internet et à partir de demain midi, vous pourrez déjà vous inscrire pour le culte de la semaine prochaine. Et oui, il faut s'inscrire pour chaque semaine, pour chaque culte. Donc n'oubliez pas, vous recevrez un mailing avec le bon moment pour vous inscrire. Mais à partir de demain midi, vous pourrez vous inscrire pour le culte de dimanche prochain. Il va y avoir aussi, pendant ce culte ici, un temps d'offrande particulier qu'on va faire maintenant. On a loué notre Seigneur avec des chants, avec des prières, mais on veut le faire aussi avec une partie des biens que notre Dieu nous donne. Et au moment où vous allez sortir de la pièce,
sur le côté là-bas, vous voyez nos beaux agents de sécurité là-bas qui sont masqués. Non, je plaisante. À côté de Jonathan et Jean-Bernard, vous avez nos urnes avec les grosses flèches où vous pouvez déposer votre offrande en sortant. Si vous n'avez pas pensé ou si vous, à la maison, vous voulez aussi partager votre offrande et glorifier le Seigneur avec ce qu'il vous a donné, vous pouvez toujours le faire en vous rendant sur notre site internet. Vous pouvez cliquer sur « Offrande » et vous avez possibilité de faire un virement électronique ou de payer par carte bancaire directement. Voilà, maintenant, je vais vous donner les informations pour sortir. Alors, on ne va pas sortir par...